On va réaliser une application qui donne la météo de n'importe quelle ville du monde. Là, on va faire ça sur React. On peut rentrer le nom d'une ville. Tout ça, c'est récupéré, c'est stocké dans un state. Dès que ce state donc est modifié, une requête API est effectuée. Suite à cette requête, on va recevoir un JSON qui va être affecté à un autre state. Et à partir de ça, on va pouvoir afficher les différentes informations concernant telle ou telle ville. Voilà. On se retrouve sur ce site rapidapi.com qui va nous permettre d'avoir accès à des API. Certains sont un peu limités, mais au moins c'est gratuit. Le projet React est créé ici. Code météo API. Voilà. Et ça, on peut nettoyer. Voilà, on va ouvrir le terminal. On va lancer le site npm start. Donc on a une seule page sur ce projet. On va créer le dossier pour les composants. Il y a toujours le composant header, RSC. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Balise header. Dans ce header. Pareil, on s'en fiche de ce qu'on va mettre. On va mettre header. Maintenant, on va importer ça ici. Tac. Header. Voilà. Il nous arrange. On ferme ça. Et puis voilà. Et là, météo, on est bon. Donc, pour la page, la structure, déjà, on peut voir ici, c'est sur GitHub, l'ancienne application qu'on avait réalisée, donc, à l'époque, sur JavaScript. Voilà, HTML, JavaScript, à l'ancienne. Donc, on va retrouver à peu près la même structure. Donc, voilà, donc on avait, oui, header, machin. Ensuite, on avait ici le formulaire, qui est donc le champ de saisie, pour effectuer la recherche. Et ensuite, on a l'affichage ici. On a bien notre composant header ici. On va pas se prendre la tête, on va faire un seul composant pour ces deux trucs-là, le formulaire et la zone d'affichage. Plus tard, on pourra faire des structures un peu plus complexes, mais pour l'instant, on va garder ça assez simple. Donc, on va appeler ça, on peut dire que c'est main parce que là ça a pas vraiment de nom, balise main, et à l'intérieur donc on va retrouver le formulaire et divers div pour notre zone d'affichage. Ouais, bon, on peut commencer à faire ça, hein. Déjà il faut qu'on appelle ici notre composant et ensuite on va faire donc notre JSX, la partie HTML, et ensuite on pourra implémenter donc Axios pour effectuer notre requête API et afficher sur la page le résultat de la requête. Donc là, qu'est-ce qu'on a? D'abord on vérifie que ça marche. Yo, oui, bah voilà. Alors à l'intérieur on va reprendre la même structure, hein. On a un formulaire, action, on n'a pas besoin, input de type texte. Input texte, voilà. Et ensuite, input submit. Ça, on connaît. C'est de l'HTML. On est habitué. Qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant? Il va nous falloir le div pour l'affichage. Là, on va appeler ça display. Ici, on peut mettre H2 city. Et donc, ici, on aura un élément dynamique. On aura donc entre crochets, etc. On va recevoir, donc, suite à la recherche, enfin, la requête plutôt, API, on va recevoir donc un JSON, donc, qu'on va manipuler comme un objet. Et à partir de cet objet, on va pouvoir récupérer les différents éléments dont on va avoir besoin. Donc, info, condition, température, sunrise, et on va reprendre ces mêmes éléments-là. En fait, l'API dont on va servir, c'est un API qui nous donne les conditions météorologiques logique sur n'importe quelle ville. Dans l'URL de l'API, on va pouvoir sélectionner le nom d'une ville et ensuite, il va nous renvoyer toutes ces informations météorologiques en temps réel de cette ville dont on a effectué une recherche. Et donc, le principe, c'est que grâce au champ de saisie ici, l'utilisateur rentre le nom d'une ville, ensuite, il clique sur envoyer et ensuite, on va afficher donc les informations reçues sur la page. Ensuite, il nous faut div info, juste pour la structure, H3, condition, température. Ensuite, il nous faut sunrise et humidity. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre directement le U-State, const. On met ici, on va appeler ça comment, weather. Weather, et ici, set weather. Et donc ça, c'est le U-State. Et j'ai sorti une vidéo plus détaillée sur le U-State, pour ceux qui auraient besoin de précision. Et voilà. Et donc ça, ce sera notre objet. Et ensuite, on a besoin de notre use-effect. On va reprendre cette structure-là. Donc, dans notre use-effect, qui nous permet de mettre, ça d'ailleurs, on n'a pas besoin, qui nous permet à l'intérieur de mettre une fonction qui va s'exécuter seulement une fois que le composant sera complètement chargé pour les requêtes API. Voilà. Mais tout simplement, useEffect, voilà, c'est simplement ce qu'on met à l'intérieur. C'est une fonction qui va s'effectuer, mais seulement une fois que le composant est prêt, qui a déjà chargé le titre, etc. Voilà. Ça évite certains bugs d'affichage, etc. Enfin, qui modifie des éléments qui sont pas encore chargés. À l'intérieur du useEffect, donc la fonction qu'on va vouloir exécuter une fois que le composant est chargé, c'est une fonction qui va aller donc nous récupérer les informations donc sur la météo. Donc on peut appeler ça fetch weather. Bon, fetch, ça veut dire, ok, ça veut dire, je sais même pas. Je crois que ça veut dire aller chercher un truc comme Zoulou. Ah oui, particulier. Allez, oui, bah voilà quoi. Aller chercher. Donc voilà, la fonction qui va aller nous chercher la météo. Voilà, donc on déclare que c'est une fonction asynchrone, donc qui aura à l'intérieur des instructions qui vont prendre un certain temps avant d'être exécutées. Par exemple, ici, on crée une variable response qui va prendre la valeur de ce que renvoie la requête axios.get. Donc voilà, Axios, déjà, il faut qu'on l'importe. Axios, donc c'est la bibliothèque qui nous permet d'effectuer nos requêtes API. Donc ensuite, on va l'importer ici. Et voilà, là, on va masquer ça pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà, on va faire les choses étape par étape. Donc tout simplement ici, on a donc, une fois que le composant est chargé, la fonction fetchWeather qui va s'exécuter. Et la fonction fetchWeather, c'est une fonction asynchrone. À l'intérieur, on retrouve donc une variable qui va donc prendre le JSON, l'objet en quelque sorte, envoyé par notre requête. Donc la requête, on va modifier l'URL ici. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils nous font tout le travail en fait sur Rapid API là. Ils nous mangent tout le travail. Comment ça s'appelle? Le service qu'on va utiliser. Je crois que c'est Yahoo Weather. Yahoo Weather, ouais, c'est ça, je crois. Et donc ce site-là, il est génial, hein. En plein d'API.
les trucs Spotify et tout, ça va être incroyable. Et donc voilà, on voit un peu comment ça se présente. Bah, la clé, c'est censé être privé. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ici, c'est la requête. C'est assez gros, c'est assez long. D'ailleurs, il nous l'a mis sur Node.js directement. Il est sympa parce que c'est à peu près ce qu'on utilise en fait. Tac, JavaScript, Axios. On a juste à couper ça, hein. C'est magique. À l'intérieur, on retrouve notre clé API, etc. Encore une fois, c'est censé être privé. Bah voilà, vous allez sur Rapid API, vous créez un compte. Moi, j'ai connecté avec GitHub, c'est plus rapide. Et ensuite, voilà, ici, vous avez vos clés, etc. Importe Axios, Framework, c'est pas... Tiens, merci bien parce qu'on va l'utiliser ici. Voilà, donc ici, c'est pour importer la bibliothèque, enfin, on va juste se servir de ça, quoi. Axios.get, etc. Voilà, pour effectuer nos requêtes API, Axios. Ensuite, const option, tac, ça je sais pas si je suis censé le laisser dans use effect. Donc on va foutre tout ça là-dedans, const option. Donc option, là comme on peut le voir, c'est un objet qui contient la clé, etc. En fait, il y a certains API auxquels on peut accéder comme ça sans rien. Tu mets juste le lien et comme ce qu'on a fait hier avec l'API sur les chiens, là, sur les photos de chiens. Voilà, tu mets juste l'URL comme ça sur le navigateur et tu reçois directement le JSON. Ici, c'est pas le cas. Ici, l'API est un minimum sécurisé, donc on a besoin d'une clé spécifique, etc. Et donc, on a besoin de mettre tout ça, là, option. Là, c'est donc tous les paramètres pour la requête. En fait, on aura donc le state weather, qui est donc l'objet qui contient toutes les données sur la météo. En fait, on va avoir un deuxième state, qui sera le nom de la ville saisie par l'utilisateur. Et le nom de la ville, on va le retrouver. Non, bah c'est là, normalement, c'est ici qu'on va le retrouver, ici. Voilà, ici, il faudrait qu'on rentre, on va dire city, on va appeler city parce que c'est le nom d'une ville, cette city. Et donc ça, on va pouvoir le modifier. Grâce au onSubmit qu'on aura mis sur notre formulaire. Donc ici, un nouveau useState. Et donc, ici, on va retrouver City. Voilà. Dans Location, on va retrouver le nom de la ville. On va mettre ça en plein écran. Donc, on retrouve méthode get. Bon, get, du coup, c'est différentes méthodes. Get, c'est pour recevoir des infos. Et là, c'est ce qu'on fait avec notre API. On veut juste recevoir les informations sur la météo, etc. Donc, c'est bien la méthode get. URL, c'est l'URL de recherche, etc. Paramètres, ce sera aussi mis dans l'URL, normalement. Mais voilà, ça, on peut le personnaliser, donc. Location, ça on va le modifier, et ce sera bien city, ce sera bien ce que l'utilisateur aura saisi, voilà. Et format JSON, ça on s'en fiche un peu. Ça par contre, du coup ce sera un Fahrenheit, c'est pour ça, bon, on peut directement mettre c'est. Voilà, ensuite donc on retrouve notre requête Axios. Bon là du coup finalement ce sera un petit peu plus complexe que prévu, mais le principe reste le même. On a donc notre requête ici, et qui prend en paramètre option, et point den. Bon du coup là il nous l'a fait à l'ancienne, non. On va faire ça avec une fonction asynchrone quand même. Voilà, simplement, axios. Au lieu de axios.get, on a axios.request. Ça nous permet du coup de mettre tous nos paramètres. Et voilà, donc, response, normalement, c'est bel et bien le résultat de notre requête. Voilà, donc le JSON qu'on va manipuler comme un objet. Et donc là, dans leur exemple, ensuite, il affichait dans la console response.data. Oui, d'accord, voilà. Oui, ok. Voilà, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça aussi pour l'instant. On va juste afficher dans la console... response.data. Donc ça c'est vraiment toutes les informations sur la météo. Voilà. D'ailleurs on va faire ça directement. Hein. Voilà. Simplement voilà, on a créé notre fonction. Maintenant on va l'appeler. Et donc là c'est terminé. Voilà. Fetch weather. On l'appelle. On n'a pas besoin de paramètres. Vu qu'il va juste aller chercher le state. Donc on est bon. Et quoi il nous manque à crochet là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il manque là. Ok on est bon. On va même pas mettre city pour l'instant. On va le mettre manuellement juste pour qu'il nous l'affiche dans la console. Use effect. Il faut qu'il nous l'emporte. Voilà. Et si on va regarder dans la console, punaise, d'accord. En fait, ça se finit là. Ouais, ok. Bon, la fonction s'appelait. Enfin, d'accord, ok. Et ben voilà, on l'a reçu. C'est parfait. Donc voilà. Donc, response, c'est le résultat de la requête Axios. Response.data, c'est vraiment, voilà, ce qui nous intéresse, le JSON. Et donc, à l'intérieur de tout ça, si on va voir par exemple dans Curate Observation, dans Astronomie, oh, que voit-on ? Sunrise, incroyable. Si on va dans Atmosphère, oh, Humidity, on va s'en servir de ça. Visibility, etc. Il y a plein de... Il est complet, cet API-là. Il y a plein de trucs. Vous pourrez faire des sites beaucoup plus complexes avec ça. Hein. Des vrais sites de météo, voilà. Comme des petits chefs. Mais pour l'instant, oh, condition.texte. On aura également mostly cloudy qu'on va pouvoir, bien évidemment, afficher directement sur la page. Et voilà, ce sera assez pratique. Et donc, bah, pour l'instant, ça fonctionne. Simplement, on va remettre ça de manière dynamique. On va appeler ça donc, city. Voilà, city. Et au lieu de mettre dans le console log, on va le mettre dans weather, donc set weather, voilà, set weather, et ben voilà, tout simplement. Et donc maintenant, l'utilisateur donc a son champ de saisie, il nous met tac tac tac, et ici, on submit, voilà, dès que l'utilisateur appuie sur le bouton envoyer, et bien on submit, il va tout simplement, on prend le E, pour avoir accès aux données rentrées dans l'input, voilà, et là, il va nous effectuer donc une fonction qu'on va créer,
dans un instant, qui sera, comment ça va s'appeler? Bah, handle submit, pour gérer donc la soumission du formulaire. Et il va prendre en paramètre l'événement. L'événement, c'est un gros objet qui va contenir, entre autres, les informations rentrées dans l'input. Et ça, on va s'en servir, donc, voilà. Il faut qu'on l'ait. On va mettre ça au tout début. On va créer notre fonction, const handle submit, tac, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, on va utiliser la méthode prevent default qui va nous permettre de ne pas avoir le rafraîchissement de la page. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué au début, mais si on n'utilise pas ça, qu'on appuie sur envoyer, il nous rafraîchit la page et ça, on va éviter. Donc normalement, avec prevent default, ça n'arrive plus. Et oui, c'est assez pratique. Voilà, maintenant, on va afficher E parce que je me souviens plus trop de comment ces fameux objets est fait. Mais c'est tout un tas d'informations sur le formulaire même. Voilà. Ok, on clique sur envoyer. La fonction, donc ici, onSubmit, ça s'effectue. onSubmit. Et donc dans cette fonction, on retrouve bien console.log E. Et voilà, ça c'est E. Donc plein de trucs compliqués. Target 0 value. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. Target 0 value. On va voir si on a bien ce qui a été saisi dans le champ de saisie. Target, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Target 0.value. Voilà. Ici, on va saisir le nom d'une ville. Paris. Envoyer. Oh là là. Paris. Voilà. Magnifique. Donc, on est bien capable de récupérer maintenant la valeur saisie. Donc, voilà. Ça, ce sera pas pour le console log. Donc, c'était pour le test. Mais on va mettre ça dans CG. Donc dans City, on aura la chaîne de caractères contenant le nom de ville saisi par l'utilisateur dans le champ de saisie ici, input, tout simplement. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien voilà, on a le formulaire, l'utilisateur est capable de saisir le nom d'une ville et on est capable donc de récupérer cette valeur saisie par l'utilisateur. C'est très bien, on a fait la moitié du travail, à peu près. Voilà, donc en fait le useEffect, il est appelé donc une fois que le composant est chargé. Mais on peut également faire en sorte que dès qu'on modifie un state, useEffect soit réappelé. Donc, et c'est ce qu'on met entre ces fameux crochets ici. Donc si ici on met city, ça veut dire que fetchWeather, ce qu'il y a dans le useEffect, ce sera appelé au tout début, quand on va charger la page, et également dès que city sera modifié. Quand est-ce que city est modifié? Eh bien tout simplement avec le handle submit, quand l'utilisateur saisit le nom d'une ville et qu'il appuie sur envoyer. Là, comme on a pu le voir, handle submit est effectué, enfin est exécuté, et on retrouve bien ici le setCity qui va modifier la valeur de city. Et donc, étant donné que la valeur de city est modifiée, le useEffect va pouvoir être réexécuté. Et ça fait plaisir parce que à chaque fois que l'utilisateur va renvoyer le nom à une nouvelle ville, eh bien, le site va pouvoir réeffectuer une requête et donc obtenir des nouveaux résultats. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a donc récupéré la valeur saisie par l'utilisateur, on va ici effectuer notre requête, set weather, etc. Ok, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un élément donc de weather. Donc, simplement, ce qu'on va afficher, set weather. Ici, on va mettre en plus de ça console.log weather. Et on va voir donc si il nous a bien effectué notre requête à partir du nom d'une certaine ville. Donc là, il le fait une première fois, dès que le composant est chargé, on va pouvoir faire en sorte qu'il ne l'exécute pas la première fois, mais voilà. Là, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Voilà, on va mettre le nom d'une ville. Envoyer. Nul. Ok, d'accord. Et effectivement, ça fonctionne jamais du premier coup. Weather. Non, c'est weather.data. Ah oui, mais j'ai appelé response. C'est normal. Voilà, je voulais... c'est honteux, mais là, je crois que j'ai devoir laisser 2 minutes, même pas. Mais là, j'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes. Ah oui, c'est honteux. Bah, dans 2 minutes, les gars. Voilà, petite interruption. Où en étions-nous? Oui, le nul. Nul. D'où il nous sort, celui-là? Avec quoi on avait essayé? Avec Lyon, ici. On essaye. Oui, là, ça marche. Je remets le 7 weather ici. On essaye. Et là, ça fonctionne. Bizarre. Bah oui, mais d'accord. Ouais, d'accord, 3 bits au JSX, en fait. Ok. Non, d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai mis ça entre crochets. Comme si c'était du JSX et qu'il fallait mettre ça... oui, non, mais vu que là, on est déjà en JavaScript, à l'intérieur du useEffect, en fait, je peux juste mettre city comme ça. Et c'est très bien que c'est la variable city ici, le state. En mettant les crochets, ça va juste le perturber, le pauvre. Donc, voilà. Normalement, maintenant, ça devrait être bon. On va mettre ici, Paris, envoyer. Voilà. Voilà, parfait.
Ok, là on est aux deux tiers. On a donc, voilà, City Paris. Il le reconnaît tout seul, hein. Il est intelligent le truc. C'est un API de recherche, hein. C'est incroyable. Donc voilà, country, etc. C'est incroyable. Donc on peut récupérer donc la valeur saisie par l'utilisateur grâce au formulaire. On peut ensuite effectuer notre requête. Et ensuite, on peut également, voilà, la troisième étape qui nous reste à faire, c'est afficher donc le résultat. Tout ça là, on va devoir se dépatouiller et afficher les informations dont on a besoin. Ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà fait le projet au préalable. Et voilà, à l'époque de Gatelemon by ID, c'est une vieille époque, ça, la belle époque. Donc voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir afficher donc sur tous ces éléments hein, ici, on va pouvoir afficher response. Ben, nous, ça s'appelle weather. Donc weather.location.city, etc. Et c'est vraiment pratique parce que vu que tout est déjà fait, ben, en fait, je peux vraiment juste copier-coller ça, franchement. Mais on va au moins faire un petit test. Voilà. Imaginons qu'on veuille afficher Paris. Paris, donc, ici, dans le H2. Donc, ici, on a bien les crochets parce qu'on est sur du JSX. On n'est pas directement dans le JavaScript. Donc, ici, on a balayé bien les crochets. Donc, weather. Donc, dans le state, qui, au départ, n'est pas, ne contient rien parce que l'utilisateur n'a pas encore saisi. Voilà. Donc, au départ, quand la page est chargée. Mais c'est pas un problème. En tout cas, une fois que l'utilisateur aura effectué sa recherche, City sera modifié, donc le use effect va se réeffectuer. Donc ça sera exécuté. Donc on va refaire une requête et on va recevoir, enfin on va vraiment recevoir les informations. Ici, donc weather existera bien. Donc weather. Ici, voilà, on se dépatouille là-dedans. Donc c'est location et à l'intérieur c'est City. On va le mettre là-dedans. Si weather existe. Donc on a vu aussi sorti une vidéo sur le rendu conditionnel. Donc on peut se permettre de faire tout ça. Donc si weather existe, alors il nous charge tout ça. Sinon, bah il ne le charge pas. Il y a un petit problème ici. Alors tu nous mets le H2. Sinon, bah il nous met rien. Il n'y a même pas de sinon. Sinon, il y a vraiment juste rien. Et là, on n'a plus de problème. Voilà. Donc si au tout début weather n'existe pas encore, maintenant c'est plus un problème. On va remettre ça au début de chaque ligne. Info, il contient rien, donc c'est bon. Condition, il va contenir un résultat, température aussi, sonorité aussi, et humidité aussi. Donc, au début, ça n'existera pas encore, donc on ne va pas risquer qu'il nous mette une erreur, et on va sécuriser de cette manière-là. Voilà. Donc, il va afficher le H3P, etc., seulement si weather existe. Et au départ, bah, il est vide, il n'existe pas vraiment. Enfin, le state existe, mais il contient rien. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si on a quelque chose dans weather, alors on va charger telle balise, etc. Chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque du HTML, mais maintenant, avec le JSX de React, on peut le faire. Donc voilà. Donc seulement si weather existe, alors il va nous charger tous ces trucs-là. Donc au tout début, on n'aura vraiment rien ici, mais seulement une fois que l'utilisateur aura effectué donc, sa recherche, qu'on aura effectué la requête, et que weather contiendra le JSON, l'objet, eh bien, on pourra charger toutes ces différentes balises. Voilà. Maintenant, on va juste devoir mettre la même chose, à chaque fois. Simplement, au lieu que ce soit location.city, ce sera autre chose. Ce sera autre chose à l'intérieur de l'objet. Mais c'est le principe est le même. Voilà. Après, on s'amuse. Hein. C'est juste ça, le travail avec les API. On va juste se balader à l'intérieur et puis trouver ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Température? Eh ben, on va trouver la température. Atmosphère? Non. Condition? Condition? Température? Je crois que c'est ça. 2 Celsius. La vache, il fait froid. Enfin, bref. Donc, weather. Tout ça, on l'a. Hein. Donc, tout ça, là, c'est dans weather. Donc, qui a été rempli avec le setWeather. Donc voilà, dès qu'on a effectué notre requête, Axios. Voilà. Donc, on va le chercher dans Current Observation, Condition, Température, si je me trompe. Current Observation. Ensuite, on va dans Condition. Et ensuite, on va dans Température. Voilà. On va voir si c'est bien ça. Envoyer. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Ah, mais c'est normal, j'ai remis plein de fois. Ah, mais, oui, bah, d'accord. Oui. Oui, bah c'est bon, on a bien le 5. Voilà. Apparemment, il fait plus chaud à Paris qu'à Lyon. D'accord. Donc, c'est bon. Hein. Il nous reste juste à remplir la suite. Bon, on va pas se prendre la tête, hein, on va aller voir dans le GitHub. Tac, pour ça, on peut se le permettre. On va juste copier ça. Donc, on avait City. Ensuite, on avait virgule, country. Quoi. Bon, la syntaxe est un peu différente. Donc, ça, on va enlever. On va mettre, par exemple, une virgule. Donc ça, c'est du texte brut hein, pour l'HTML. Et ensuite, on retourne donc sur la variable. Country, voilà, normalement, là, response is not defined. Oui, bon, on a changé de nom, d'accord. Weather, si tu préfères. Paris, France, parfait.
Ensuite, 40 observations, conditions, texte, super long. Donc, on va vraiment se faciliter la tâche. Donc, dans conditions, oui, il y aura le même problème. Weather. Voilà. Comment ça nuit ? Cherche les problèmes. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Non, Claudie, c'est bon. Eh ben, c'est bon. Parfait. Ensuite, il nous faut 40 observations, astronomie, sunrise. On va récupérer ça. Donc, dans sunrise. Hein, voilà. Et pour le dernier, on va le faire à l'ancienne. Humidity. On va retourner ici, sur notre API, sur notre objet. 40 observations, atmosphère, je crois. Humidity. Voilà. Donc, 40 observations. Bon, ça, on va copier. Tac. On va mettre là. Ensuite, atmosphère. On peut l'écrire à la main. Atmosphère. Humidity. Voilà. Normalement, c'est ça. 93, parfait. Et on peut copier ça éventuellement. Hein. Ça, c'est du gadget. C'est pour faire joli. On met ça ici. Ouais, ça me paraît correct. Voilà, humidity, sunrise, pareil. Là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est de la déco, vraiment. Et puis, condition, on n'a pas besoin. Et voilà. Normalement, là, on est bon. Right, hop. Bah voilà. Hein. Lyon, France. Cloudy, nuageux. Température 2. Bah, on peut. Et où le symbole ? Tant que je le trouve, ouais, j'ai dû le mettre ici, de toute façon. Oh, Fahrenheit, bah là, on est en Celsius. C'est, non, ça, je vais mettre un petit espace, là, on s'en fout. Voilà, température 2 degrés Celsius, sunrise, 8h06 du matin, et humidité 93. Bon. Maintenant, voilà, on peut réessayer. Imaginons, Paris, envoyé, Paris, France, mostly cloudy, température 5 degrés Celsius, sunrise, 8h28, humidité 86. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a le nul ici qui s'affiche, parce que on veut donc... Bah ça, c'était pour la console, en fait. C'était juste pour la console. Marseille. On dirait que c'est les trois seules villes que je connais. Moi. On voyait. Marseille, France, mostly clear, température 7 degrés Celsius, sunrise. Voilà, après, on peut s'amuser. Hein. Si on a besoin de savoir quelle température il fait à... On voyait Kinshasa, République démocratique du Congo, cloudy, 28 degrés Celsius. Voilà, quoi, on peut s'amuser, vraiment. On veut savoir combien il fait à Tokyo. Voilà, à votre avis, est-ce qu'il fait chaud ou froid? Moi, je dirais qu'il fait froid, quand même. Mais à Kinshasa, il fait chaud comme ça, tu mets bien. Attends, Tokyo. 4 degrés, ah oui. Non, ils ont froid, là. On peut mettre ça en plein écran, mais on peut profiter un petit peu. En plus, on a un formulaire vraiment dégueu, vraiment assez moche. Alors, comment s'appelle ça? Forme. On va le modifier, ça. Appling, déjà, ça n'existe même plus. On peut tout enlever. Ah, tout ça, on s'en fout, voilà. Donc, forme. Tout moche, là. On va faire, donc, en Flexbox... alors, on met ça donc flex direction. On va mettre une colonne. Oula, c'est tellement moche. On va mettre justify content, center et align item. Center, voilà. Voilà. Et maintenant, row gap pour espacer les éléments. On va mettre 5 pixels. Là, ils sont tout collés, ils sont tout moches. Voilà. Maintenant, form. Form, on va aller chercher input. Et là, je crois qu'on peut rentrer le truc. Type égal. C'est un code de triche, le truc. Hein. Type texte. Border radius. On va mettre 5 pixels. On va mettre type submit padding. 5 pixels. Si on veut savoir combien il fait à ville célèbre, top 20 des villes les plus populaires, New York, Londres. Ouais, mais c'est pas original, ça. Abu Dhabi. Si on veut savoir combien il fait à Abu Dhabi, ça peut servir. Ça. Quand on a envie d'y aller. On sait jamais. Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, clear, 25 degrés Celsius,